Bonjour, je suis Nathalie Legendre et j'enseigne le patchwork et la broderie au ruban et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce joli petit pouf pique-épingle. Je vais tout d'abord vous montrer les fournitures et le matériel nécessaire à sa réalisation. Nous passerons ensuite à la partie préparation et broderie et enfin au montage et aux finitions. J'ai collé mon carré de tissu sur lequel je vais broder sur de la toile à beurre. Alors le morceau de toile à beurre est plus grand, c'est exprès. Parce que en fait, après, nous aurons d'autres broderies qui vont venir se mettre au bord. Je prends mon gabarit A et je vais dessiner les contours de mon gabarit sur le tissu. Donc je prends toujours mon crayon spécial patchwork hein, qui s'efface bien. Et je dessine tout autour en tenant bien le gabarit. Voilà. En fait, j'ai dessiné pour pouvoir positionner le motif de ma broderie. Ça va m'aider. Alors, je vais dessiner le cœur de ma fleur. Donc, je vais faire un petit rond. Comme celui-ci. Que je vais remplir. Voilà, que je vais remplir en point de nœud. Alors, pour faire les points de nœud, je sors mon aiguille. Je tiens mon fil dans la main gauche, comme ceci. Et je vais tourner une fois autour de mon aiguille et repiquer à côté de l'endroit où je suis sortie. En faisant bien attention de maintenir le fil de la main gauche. Et voilà mon premier nœud. Je vous remontre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette réalisation.